Précédemment dans À l'affiche. C'était impossible d'imaginer de faire la présentation de saison devant 800 personnes dans la situation actuelle. Ah, messieurs l'hermière. Mais là, je leur ai bien parlé de la saison. Je crois qu'ils ont tout à fait saisi l'esprit et je me réjouis, ça va être juste génial. C'est ça que vous proposez pour Cyrano? Si, va bene, va bene. Plus on arrive à créer un monde réel, plus c'est facile pour les acteurs. Les beaux jours. Exactement. Notez, c'est important pour votre carrière. Le tout dernier spectacle que nous présenterons dans notre petite salle Gérard Carra. Ça me rappelle le village de mon enfance, Paris. Le tout dernier spectacle que nous présenterons dans notre petite salle Gérard Carra est la reprise de la mise en scène de Claude Vuillemin. Plus vite la gondole, plus vite. On n'est pas à Venise ici. Allez. Il se passe quoi là? Je comprends pas. C'est censé m'aider Vous avez lu la pièce ou vous êtes arrêté au titre? Enfin, on est en train de parler de Oh les beaux jours. Moi qui parle. Samuel Beckett, prix Nobel de littérature en 1969. Moi, je tenais à parler de l'interprétation éblouissante d'Anne Durand dans le rôle de Winnie. Et puis là, j'ai l'impression de tourner dans une pub de Tahiti Douche. Mais c'est n'importe quoi, c'est absurde. C'est complètement absurde. Mais Beckett est connu pour son théâtre de l'absurde, non? Oui, bon. Allez, rideau.